Good morgen, Leiden, les Suisses, aujourd'hui le Lunishmat, Rosette, Zoharabat, Sultana, Moshe, Ben Sultana, Yakov, Nissim, Ben Hanada, Ben Yudit, Abraham, Chen, Orbeur, Ben Fortuné, Mazel, Nachman, Yosef, Ben Nachum, Michlou, Micha, Ben Masouda. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Meila, Perikhe, Mishnahé. Achilato, Achilat, Havero, Anayato, Anayat, Havero, Achilato, Anayat, Havero, Anayato, Achilat, Havero, Mistarvim, Zeim, Ze, Bafilou, Lesman, Verube. Mishnah très simple, qu'on traduit tout de suite, après on explique. Achilato v'achilat chavero, sa consommation, le fait qu'il mange lui-même, v'achilat chavero et le fait que son ami mange en même temps. C'est-à-dire, je mange et je donne à manger à mon ami. Anayato v'anayat chavero, je tire profit du Hekdesh, bien sûr. Et je fais profiter aussi mon ami du Hekdesh, quelque chose qui n'est pas mangeable, par exemple, d'huile, d'onction. Je me mets de l'huile d'olive, sur une huile parfumée, par exemple, du Hekdesh qu'on a sanctifié, sur moi, et puis aussi j'en donne à mon ami. Ou encore, achilato v'achilat chavero. Moi qui mange et lui qui consomme, qui tire profit. C'est-à-dire de l'huile d'olive, j'ai pris une demi-valeur, la valeur d'une prouta, la moitié, je mets l'étal dans mes mains, et l'autre moitié, je lui donne à manger dans sa salade. Anayato v'achilat chavero, bien inversement, moi qui tire profit et lui qui va consommer. Dans tous ces cas de figure, la Mishnah enseigne que mitztarfim zemze, ça va s'associer les deux consommations. La fait le lazman morbé, même s'il y a beaucoup de temps qui passe entre les deux. Et la Mishnah, elle s'explique de manière très simple. Il y a, dans la Meïla, on transgresse à partir d'une mesure, d'une valeur, d'une prouta. À la différence de la plupart des interdits à la consommation, où ce sera en général, il faudra manger un kazaït pour transgresser l'interdit. Eh bien, pour l'interdit de Meïla, on transgresse à partir du moment où on a consommer une valeur d'une prouta. Le principe, on l'a déjà expliqué dans la Mishnah précédente, je crois que c'était, on avait expliqué que le principe de la Meïla, c'est le fait de voler ce qui appartient au Hekdesh. C'est-à-dire, au même titre que finalement pour mon voisin, vous savez bien que si je vole moins qu'une prouta, je n'ai pas d'obligation de rembourser. Mais si je vole deux fois une demi-prouta, donc au total j'ai cumulé une prouta, eh bien je devrais lui rembourser. D'accord? Maintenant, en combien de temps il faut voler les deux demi-proutotes? Plutôt, avant d'arriver sur la prouta, on va d'abord plutôt parler de la consommation. De manière générale, un interdit à la consommation, vous savez bien, on a déjà vu, qu'il ne faut pas laisser passer de temps de un pras, la valeur de la consommation d'un pras, d'un demi-pain, c'est l'équivalent de 4 à 8 minutes. C'est-à-dire, si je vais manger donc un kazaït de viande qui n'est pas cachère, mais je mange un demi-zaït tout de suite, et puis un quart d'heure après, je mange le deuxième demi-zaït, je ne serai pas rayable, parce que je n'ai pas mangé une seule fois un kazaït, qui était la mesure qui est fallait consommer en ce qu'on appelle achilat kazaït birda achilat pras. Le temps de manger un pras, un demi-pain, c'est évalué à peu près entre 4 et 8 minutes. Ça, c'est pour lorsque je veux associer deux consommations où les interdits sont des interdits de consommation. Par contre, pour l'interdit de Meïla, le problème de la Meïla, c'est pas le fait que tu manges. C'est pas le fait que tu tires profit au sens simple. C'est le fait qu'il y avait quelque chose qui appartenait au Hekdesh et que tu l'as pris, tu l'as accaparé, tu l'as utilisé toi en tirant profit, bien sûr, c'est une condition. Mais ce qui m'intéresse du coup, c'est que là, la mesure requise pour transgresser l'interdit, ce n'est pas un kazaït comme d'habitude, mais c'est une valeur. Et on a l'avantage que si c'est une valeur, eh bien, ça peut. Cette valeur-là, elle n'est pas limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'il est possible que tu vas manger un petit bout de chocolat aujourd'hui, qui est avec Desh, une valeur d'une demi-prouta. Et trois semaines après, tu manges un deuxième petit bout de chocolat. Eh bien, ça va s'associer. C'est ce que la Mishnah m'enseigne à la fin. Fais le lisman de Roubaix, même s'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Mais même mieux que ça, même si c'est moi qui mange la moitié et lui qui mange l'autre moitié. Mais c'est moi qui lui donne à manger. Puisque c'est moi qui lui donne à manger, c'est moi le responsable, c'est moi qui suis passible de transgresser l'interdit de Meïla. Donc là, cette fois-ci, on va associer la demi-prota que j'ai utilisée moi-même et la demi-prota que je lui dis de manger. Même si je ne l'ai pas donné dans les mains. Je lui dis, tiens, viens manger avec moi. J'ai pris moi un demi-bout de chocolat. Et puis lui, j'ai dit, vas-y, prends le deuxième, il a pris le deuxième. Puisqu'il a mangé par mon tzivouille, donc c'est quand ça se rattache à moi, c'est comme si c'est moi qui pense que c'est interdit de Meïla. Et donc dans ce cas-là, ça s'associe même mieux que ça. Même si c'est même pas ces deux types de profits, un à la consommation, l'autre en le buvant ou en l'étalant sur ses mains. Même dans un cas pareil aussi, ça va aussi s'associer parce que cette fois-ci, dès que tu tires profit, eh bien, tu transgresses l'interdit de. Dès que tu tires profit ou que tu fais tirer profit, c'est toi le responsable de l'interdit de Meïla, et même si ce n'est pas la même personne qui va obtenir le même profit. D'accord? C'est le principe de. Ce n'est pas la même personne qui va concrètement tirer profit, parce que ça va être séparé entre deux personnes. Ça vient même, dès que ça a été fait par mon intermédiaire, c'est moi qui l'ai provoqué, et ça, c'est un souci.
D'accord. Petite note encore dans le Barthénora. Comme ça, ça nous prépare la Mishnah pour demain, pour la prochaine Mishnah qu'on verra, quoi, qui va nous parler d'une petite notion qu'on parle lorsque on parle de manger de la viande de Mikdash qu'on transgresse l'interdit de Meïla. C'est spécifiquement sur la viande qui était coachée Bedek Abayit et pas sur ce qui était coachée Misbeach. Je m'explique. On sait bien qu'on a déjà appris qu'il y a deux destinations lorsque je sanctifie quelque chose au Beth Amikdash. Il y a ce que je vais en faire une offrande pour Hachem. C'est ce qu'on appelle les coachés Misbeach. C'est ce qui a été sanctifié pour être offert au roi des rois. Et il y a à part ça ce qu'on en a sanctifié pour la trésorerie du Beth Amikdash. Dans ce cas-là, on va plus s'intéresser sur le côté, l'aspect monétaire. Combien, qu'est-ce que ça vaut que le Gizbar, il va pouvoir le reprendre, il va pouvoir retransférer l'Agdoucha. Imaginez, je vais lui offrir ce stylo, et eh bien il va prendre ce stylo, il va le s'il est devenu Kadosh, il va le prendre, il va le revendre pour en tirer 10 shekels pour pouvoir acheter n'importe quel besoin du Beit HaMikdash. D'accord? Maintenant, la règle qui me dit que si je donne à manger à un chaliah, à une tierce personne, que c'est moi qui transgresse l'interdit de Meïla, c'est spécifiquement sur les coachés Bedek Abayit, sur ce qu'on en a sanctifié pour la trésorerie du Beit HaMikdash. Par contre, sur ce qu'on en a sanctifié pour en faire un corban, et qu'après on s'est mis à manger cette viande par erreur, eh bien, j'ai perdu le fil de mes idées, ce que j'ai décidé de faire un corban, oui, ce que j'ai décidé de faire un corban, et que finalement je vais donner à manger à quelqu'un, c'est pas moi qui transgresse un interdit, c'est lui. C'est spécifique sur le consommateur. D'accord? On tenait juste une règle. Parce que ce qui est coaché de Misbeach, c'est le consommateur, et c'est pas celui qui va provoquer la consommation de l'autre. D'accord? Donc la Mishnah ne parle que des coachés de Bedek Abayit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout.